Et rebonjour, ou bonjour plutôt à tous et à toutes, et bienvenue sur ce 9e épisode de mon Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, je vous avais laissé un peu comme un sauvage, là, quand j'ai vu le temps qui s'est écoulé, 55 minutes, c'était un petit peu long. Je suis donc, on va prendre la suite de la quête. Et un ami. Et là, faut montrer le sceau de Centaure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'avais fait ça, j'aurais eu au moins le bon sens de cacher l'épreuve. C'est vrai. Faut être idiot pour faire une chose pareille. Laisser des traces comme ça, un peu partout. Ou alors, il s'agit d'un message. C'est Centaure qui m'envoie. Pour aider ceux qui en ont besoin. C'est Centaure qui t'envoie ? Sparte ne contrôle pas tout Mégaris. Pas encore. Il y a des lieux que je peux rejoindre plus facilement qu'un Spartiate. Les Athéniens se sont montrés plus résistants que prévu. Mais ils ne peuvent rien... Contre Sparte, oui. Je connais le refrain. Mais, en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée ? Pas encore, mais ça va venir. Je devrais approcher pour savoir la vérité, ce qui est arrivé ici. Il y a eu plusieurs phases dans la guerre du Péloponnèse, et notamment qu'à la première, les Spartiates se sont fait... Ils ont même perdu des batailles terrestres. Des soldats de métier qui se sont fait massacrer. Et il y a eu des capturés. Et Sparte a accepté une paix provisoire le temps de... Pour pas que les otages soient exécutés, en fait. La cargaison a disparu. Ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. On va trouver qui t'a fait ça. Bah, toi, tu parles au soldat d'abord, alors que t'as un Spartiate juste en face de toi. À ton avis, qui c'est qui a fait ça? Apparemment, ils sont entrés dans la forêt. Dans la forêt... Voilà. Là, il y a la forêt. Il y a un temple. Ça, c'est un quoi? Je sais pas ce que c'est. Là, il y a un trésor. Des loups. Un trésor. Ils sont allés dans la forêt. On va activer la quête. Non, on va se la faire après. J'avais dit que je partais sur... J'avais dit que je partais faire l'autre, ça va démarrer. Je devrais aller faire mon rapport. Allez. Oh, c'est quelle quête que j'ai activée là? Ah, ok. C'est pas forcément ce à quoi je pensais, mais c'est pas grave. Dites-moi, je vous ai dit à l'épisode précédent, si le fait que je fasse des quêtes secondaires comme ça, que je papillonne, si ça vous agace ou si au contraire vous êtes content parce que ça vous permet de découvrir un petit peu la richesse du monde. Après, je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de tout ce qui est offert comme ça. Je viens à propos de ton offre de travail. Qu'est-ce qui se passe? Ces chiens de bandits m'ont volé mon papyrus. Tu as une idée du prix de cette denrée, Mystios? Je n'ai pas de quoi. Si je peux tuer des bandits, je suis sûr qu'il y a des missions qui sont liées entre elles. Contre ces malakès. Donc, tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. Ça prend un drachme. C'est pas cher. Il est passé où ce maudit cheval encore? Bon, sinon je prends celui-ci. Hop. Allez, je vais aller. C'est par là-bas, je crois. C'est ça. Allez. Allez, Phobos. On va aller faire la quête secondaire là-bas. Terminer tous les objectifs de campement de brigands.
Et je vous rappelle que c'est là-bas, il y a 2 ou 3 épisodes où j'avais galéré contre les mercenaires. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais vu qu'il y avait un campement à côté. Allez, vise bien. Hop, on confirme l'assassinat. Allez, viens dans ma ligne de mire. Hop. Voilà. Il n'y a plus rien à looter. Allez, on loot ça. C'était pas des braves gens, je vous rassure. Alors, il suffit de voir le corps qui est accroché là. Par contre, ça c'est un petit peu surfait. Hein. Je pense pas qu'on laisse un mec. Un mec. Oui, on peut laisser quelqu'un mourir, que ce soit clair. Mais on va pas laisser les corps comme ça à l'air. Ça pue la mort après autour. Et c'est une véritable infection. Allez, Spartiate, t'es libre. Ne me remercie pas. Ne me remercie surtout pas. Il n'y a rien à faire ici. Bah pourquoi il m'était marqué sur ma carte? On va aller voir par là maintenant. Mais j'ai pas compris pourquoi il était marqué sur ma carte ce campement. Mmh. Oui, c'est de là que je viens, oui, c'est bien ça. Allez. J'ai failli tuer le gars. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le cheval disparaît à chaque fois. Là, je vois qu'il y a des trucs qui brillent. Wow. Voilà. C'est l'heure de faire un peu de récolte en passant. On va aller voir point d'intérêt. Là, je voyais un coffre en dessous. Hop, on va remettre les quêtes. On va se mettre sur vivre annexe. Je sais pas ce que c'est. Cobra. D'accord. Bon, il y a pas mal de choses à faire dans le coin. Ça veut dire qu'il y a de la tablette normalement quand il y a des choses ruines.
Ça, c'était gratuit. La tombe de Terry. D'accord, ma foi. Ah. J'ai sûrement dû vouloir aller trop vite parce qu'il m'indique de revenir par là. Alors, c'était des Athéniens ? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors ? La guerre les rend insolents, et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Non, ça ne tient pas debout. Comment ça ? Il n'y a pas de corps. En tout cas, chez les assaillants. Les Athéniens auraient pris les chariots et emporté leurs morts. Mais des bandits auraient laissé les morts sur place. Alors, qui a fait ça ? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer en cherchant là-bas. Alors, l'attaque a lieu sur la grande route de Mégaris. Ces cristaux proviennent du sud de la forêt occupée. Les cristaux, je les ai vus, là, vers la tombe de Terré, là. Voilà, là, il y a des cristaux. Et la nourriture se trouve dans une grotte au sud-ouest. Ah bah, c'est la grotte que j'ai repérée ici, là. Les voilà. Voilà. Bon, c'est un peu cheaté, on voit au travers des... Hop. Voilà, un peu d'arbres. C'est cheaté, on voit au travers des arbres. Des murs, des grottes et compagnie, mais bon, ça c'est autre chose. C'est la grotte que j'avais repérée, donc faut bien faire les trucs dans l'ordre, sinon ça vous aide pas. D'ici. Ah, il y a quelque chose là-dessous. Donc il y a quelqu'un qui cuisine. Ouais. Ça sent le cochon. Il n'y a rien à piller là ? Non. On va voir ce qui se passe dans cette grotte. Oh. C'est une fête privée ? Ou tout le monde est invité ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais là ? Elle est bien noire pour une grotte. S'il te plaît, va-t'en ! Bon, je résume. J'ai trouvé des Spartiates massacrés et des chariots vidés. Et la piste m'a mené jusqu'à vous. Et aux vivres. Et tout cela bien caché dans une grotte. On n'a pris que les vivres. On n'a tué personne. Ils sont morts tout seuls. Je tuerais bien tout le monde, mais des enfants, ça me fait chier de tuer des gosses. J'ai quand même des principes. Même pour l'époque. Il vaut mieux de rendre les vivres et de me dire pourquoi je ne dois pas vous tuer. Je t'en prie. Je vais te dire ce que tu veux savoir. N'empêche qu'il a tué les hommes. Pourquoi expliquez-vous. C'est de la folie. S'attirer la colère des Spartiates n'est pas une bonne idée. Je t'en prie. Nous ne sommes pas des voleurs. C'est le fruit de notre travail. Ce sont nos récoltes. Ils l'ont pris sans rien nous laisser. En gros, ils ont pillé, quoi. Et le meurtre, c'est votre vengeance. Quel bel exemple pour vos enfants. Je ferais pas autant la morale à sa place. Mais... Non, je t'assure. Crois-moi. Nous n'avons fait de mal à personne. Par contre, elle est clairement pas grecque. Nous a dit où trouver les vivres. Ils étaient déjà tous morts. Donc ça veut dire que c'est un Mystios qui aurait tué tous ces Spartiates. D'accord, je vous crois. Je ne suis pas venu écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Donc ça, c'est le Mystios qu'on demande. Ah, ils insistent, on devrait peut-être les tuer. Non, mais c'était leur récolte, Joe. Ils ont été victimes de pillage, ils ont fait récupérer leurs biens. Bon. Écartez-vous. Je vous laisserai la vie. Je vais rapporter ces vivres aux Spartiates. Pour ça, il faudra nous passer sur le corps. Ne sois pas stupide. Prenez quelques vivres, de quoi tenir un moment. Je dirai que je vous ai tué et je rapporterai le reste. Ça leur suffira. Et nos familles ? Que vont-elles manger ? Tu préfères mourir tout de suite ? Si vous mourrez, vos familles vont mourir aussi. Alors acceptez mon offre et arrêtez de voler. La prochaine fois, vous aurez affaire à quelqu'un de moins gentil.
D'accord, Mistyos. Merci. Allez, prenez ce que vous pouvez et partons. Vite! Y'a rien là-haut? C'est tout? Les dieux soient loués, ils n'ont pas cherché à se battre. Je n'avais pas envie de tuer des gens affamés. Oui. Sage parole. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va aller grimper là-haut. On va aller voir ce que c'est que ce coffre. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de grottes encore parce que c'est joli la nuit aussi avec la clé de lune. Là, il y a des mercenaires qui se baladent. Mais vu que j'ai tué ou commis aucun crime ou volé personne, du moins que j'ai pas été vu quand je l'ai fait, j'ai personne au dos. Est-ce qu'il y en a un qui vaut le coup d'être recruté là-dedans? Ok. Non, bleu. Bleu. Ce sont des malfrats. Donc normalement, ça devrait... Mieux vaut éviter. On t'entendra hurler jusqu'en paix. Hop. Bon. Ça aurait été vite réglé. La question c'est est-ce que j'en ai profité pour faire mon truc? On me retient ici, à moi. Ouais, vas-y. Par Hermès, enfin libre. Merci. Ça compte pour les camps ou pas? Hop, 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 hop. Non. Pourtant, c'est un campement de brigands, ça. Ah non, ça se trouve, il me l'a compté comme Mafra, et Mafra et brigands, c'est pas la même chose, c'est ça. Il y a quoi, là, en bas? Ah, ça, c'est de l'Athénien, ça. Hop. Oh, le feu se répand. Lui, il dort. Voilà, ceinture spartiate. Voilà. Ah, mais il est là, le dragon, je pense.
Non. Ah là-haut, il n'y en a pas. Ok, bon, ça se passe plutôt bien. Je sais, je papillonne beaucoup, mais... Du coup, ça permet... J'aurais pas besoin de revenir sur mes pas et de vous faire par exemple un épisode consacré à tout ce qui est point d'intérêt. Allez, 112 mètres à faire. Ça c'est donc en spartiate à mon avis. Oula. Alors on peut voler ce qu'on veut, l'important c'est de pas être vu comme on le fait. Est-ce que tu as trouvé les coupables ? J'ai trouvé tes vivres. Et un groupe d'habitants affamés. Et ? Et tes hommes les avaient volés. Ces gens mouraient de faim. Nous avions besoin de ces vivres pour les troupes, et pour chasser les Athéniens de Mégara. Ils n'ont pas agi seuls. Cette affaire ne s'arrête pas à eux. Ça ne te concerne plus. Les coupables ont payé pour leurs méfaits, et c'est tout ce qui compte. Tu as bien agi. Sparte te remercie. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien. Niveau leveling, ça se présente bien aussi. La tombe, c'est fait. La ferme, c'est fait. J'ai très peu de primes sur la tête. Ça vaut pas le coup d'aller assassiner ou de payer. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Et après, on va quand même poursuivre un petit peu nos temples en ruine d'Apollon. C'est quoi? C'est du malfrat? Donc là, ça veut dire qu'il y a des tablettes qui se promènent. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Ouais, il y a des tablettes au milieu. Non, il y a du niveau 9, il y a du 10. Ta fin est là. Allez, on va le prendre à revers. Là, j'ai vu qu'il y avait des trucs à voler. Voilà. Du coup, j'ai sauvé le pécor. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut mourir, lui? C'est quoi? Non, c'est sans intérêt. Ok, il n'y a rien d'autre. Allez. Bon. Jusque-là, c'est pas mal. Ça s'est exploré. Qu'est-ce que j'ai en quête? Faut que j'aille où? Oh, niveau 11. Niveau 11. Alors ça m'intéresse pas tout ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Faire plus de dégâts dans les combats, ça pourrait être bien. Le coup de pied m'intéresse pas. L'assassinat, je commence à m'en servir bien comme il faut. Là, on a quoi d'intéressant? Non. Je pourrais éventuellement mettre mes armes en feu. Ça voudrait dire que je commence à jouer avec les dots, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc ça, c'est l'appel d'un collègue
qui vient de distraire. Là, je pourrais jouer avec des dots de côté assassin. Attaque en une frappe avec toute la puissance de la lance de l'ennemi. Afflige 60% de dégâts d'assassin. Je joue plus avec ça qu'avec ça en ce moment. Faut que je progresse dans l'histoire. Ça, je peux. Ça, faut progresser dans l'histoire. Ça, je peux. Moi, je peux pas. En fait, oui, il nous force à partir sur des buts de l'autre côté. Donc ça me permettrait... Alors, la différence entre ça... Attaque discrète d'une pression meurtrière infligeant 200% des dégâts d'assassin. Son exécution nécessite d'être à portée et hors de zone de conflit. Dégâts d'assassinat et de perte de conscience accrue de 20%. Fouille automatique de l'ennemi. Dégâts d'assassinat et de perte de conscience accrue de 30%. Fouille automatique de l'ennemi. Bon, on va faire ça. Je vous avouerai, je comprends pas bien la différence entre les deux. S'il y en a un parmi vous qui pouvait m'expliquer, est-ce que ça c'est un passif ou pas, ou au pire je sauvegarde, je le prends, puis je verrai. Je ferai peut-être ça au prochain épisode, au prochain point, je sauvegarderai peut-être pour tester, voir ce qu'il y a. Ça c'est passé, ouais. Ouais, je suis niveau 11, faut peut-être que je voie. Plus 2 pour, plus 5%, l'effet plus 6%, par contre là j'ai plus 2% de tous les dégâts, c'est-à-dire même côté guerrier j'ai plus 2%. Bon, on va le garder. J'ai vu que j'avais une lettre aussi, des ostracons à énigme, soleil record. Oh, je regarderai ça plus tard, je pense que je vous ferai un épisode où j'irai faire des mix. Faut que j'aille voir le pourrette. Oh, oh, oh. L'autre, il est toujours en train de courir dans tous les sens. Ok, je peux pas. C'est dingue qu'il y ait des choses comme ça qu'on puisse pas escalader. Alors ce soit pas dingue qu'en fait qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas escalader, mais que ce soit un pauvre petit rempart quoi. Allez. Il va falloir que j'assassine un poète. C'est marrant, c'est Rix. Mais c'est bien, ça donne vie au monde. Ah oui, puis du coup j'ai découvert la cité sans vous la montrer la première fois, là quand il y a des corps un peu partout à l'entrée et tout. T'as l'intention d'en tuer combien ? Ouais, je pourrais le voler, mais là, je serais vu. C'est lui que je dois assassiner. Assassiner parce qu'il drague une femme. Tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? Par contre, je peux lui faire suffisamment peur. Plus que le montant de cette prime. Ça ne m'intéresse pas. Si tu dois mourir, aie un peu de dignité. SOS, dimanche. Oh, mais c'est qu'il se défend en plus. Non, c'est faire payer. Range ta lance, tu vas attirer l'attention. Bon, ça va. J'ai pas été grillé. Je suis pas attaqué à vue. C'est essentiel. En même temps, j'ai fait ça pour un nouveau pote, les gars. Ça aurait été dommage de m'en vouloir. Mistios, est-ce que tu t'es occupé de lui? Il n'ennuiera plus personne.
Je te remercie. C'est radical, mais bon. Tu as largement rempli un contrat est un contrat. Il est temps que j'en fasse autant. J'espère juste qu'il va pas me doubler. Ce que je commence. Là, s'il me doublait, je massacrais tout le camp. Il y avait du monde quand même dans ce camp. Ouais, je pense que j'ai bien fait de pas essayer de massacrer tout le monde. Du coup, quête. Ça m'amène quelque part, ça ou pas? Campement de brigands côtiers, oui. Ah! Brigands, bandits et autres. Vigie. Ah! D'accord, ce serait ça. Ok! Donc faudrait que j'aille finir celui du dépôt de bois. On va voir si c'est ça. Voir si je me trompe ou pas. Si en faisant le dépôt de bois ça me le compte, ça veut dire que c'est ça les campements à faire. Et du coup c'est pareil, ça se fera tout seul sur la durée. J'ai pas besoin de me concentrer là-dessus. On va voir. Parade, ok. Vidune Spartiate. Les jeunes filles spartiates recevaient une éducation d'état en gymnastique. C'est vrai, je crois que c'était jusqu'à l'âge de 7 ou 11 ans. C'était afin de faire des femmes fortes pour faire des enfants forts. Hop, il est où le camp côtier? On va regarder la carte parce que c'est un coup à se paumer, ça. Ça, c'est les photos, ça m'intéresse pas. Hop, 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 hop. Voilà. Allez. Allons-y, Phobos. À fond. Toujours à fond. Kefalonia, je pensais pas que je reviendrais un jour sur l'île. Ah bah moi j'avais confondu avec ici, c'est pas ici le dépôt de bois, c'est après, non? Si, c'est ici. Ah, c'est ça. On va en profiter tant qu'il n'y a personne pour nous voir. Si personne ne nous voit, pour rappel, on n'est pas considéré comme étant un voleur. Le voleur, c'est celui qui est vu en train de voler. Ils sont que trois. Je dois essayer de ne pas me faire voir. On va aller par l'autre côté. Voilà. Voilà. Allez, partez, ne me regardez pas, que je puisse vous laisser en toute tranquillité. Allez. Non, là il y a du monde qui regarde. Là il y a du monde qui regarde. Du monde qui regarde. La personne voit. Ok. Si la
Comment va Nicora? Oh, Lan, je t'avais pas vu toi. Alors est-ce que ça m'a compté? Bah non, ça me l'a pas compté. Je suis toujours à 4 sur 10. Ah ouais, je vous avouerai que j'y comprends pas grand chose. Pourtant il est bien fait sur la carte. Ah, campement de brigands, dépôt de bois, chantier naval. Ah, ok, c'est celui-là que j'avais pas compté hein, dans les 4. Donc ça fait campement de brigands 1. Ça, c'est pas dit qu'il compte. Épave du brigand perdu, peut-être 2. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont pu compter dans les 4. Ah, ça, ça ferait 2 campements de brigands. Donc ça fait 1 brigand. 2 brigands. Non. Ça n'est pas... Non. Ça ferait 3 brigands. Et 4 brigands. Apparemment, ce serait ça. Ok, bah ma foi. Donc faut qu'il y ait brigand dans l'intitulé du camp, sinon ça compte pas. Ok. Bah ça se fera tout doucement. Je pense qu'il est temps d'éliminer le dirigeant athénien en Mégaris. 36 minutes, on a le temps d'y aller. Donc on va se re-téléporter ici. Représentant. Faut que j'aille prendre, je crois que j'ai une mission qui me parle du représentant. Une mission secondaire qui voudrait dire qui me proposerait d'assassiner le représentant si je dis pas d'annerie. Faut que je regarde. Je vais essayer de l'accepter si c'est pas déjà fait. Vous n'êtes pas seul avec cette aptitude, appelez à l'aide un lieutenant de votre navire afin qu'il vous renforce ou distrait des ennemis à proximité. Ça peut être sympa, je pense. Et là, je crois qu'il venait de dire, avant de prendre une décision importante, n'hésitez pas à sauvegarder. C'est vrai que, chose que je fais pas assez sur Skyrim, je sauvegarde assez régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Affamé les Spartiates, ça pourtant, ça rapporterait pas mal d'XP. Des animaux prédateurs présentent une menace pour un état allié. Ces Spartiates. Ça pourrait. Ou sinon, je tue les Spartiates histoire d'avoir l'XP et tout ça, et puis après j'arrête. Voilà, prime sur homme politique. Voilà, je prends les missions comme ça qui sont pas dans le temps. Celle-ci, je l'ai pas fait. Ça fait violet, bleu, bleu. Alors que... Bon, on va la prendre. Je sais pas si je la ferai, mais on va la prendre. On va voir le contrat contre les Spartiates. C'est quoi ma quête? Ma quête sur l'homme politique. Prime sur homme politique. On va aller voir. Donc il me renvoie au temple où j'étais tout à l'heure. On va aller voir ce que c'est. Oh, il y a un trésor par là. Oh, un tombeau. Là-dedans, il y a des tablettes, si je dis pas d'annerie. C'est pas beau de piller les tombeaux. Ok, il y en a encore.
Personne ne nous voit. Pas vu, pas pris. Ah, j'aime pas ça. C'est cassé. Ok. Faut explorer une tombe. Ah, ok. Voilà, il brûle. On peut passer là-dessous ? Non. Bah à gauche il y a une tablette. Ça c'est boulé. On voit les taureaux partout, ça c'est très minoin. Il n'y a rien. Une tablette à gauche. Donc là il y a un passage, on va voir ça après. Là il n'y a rien, il y a un coffre sur la gauche. Ok. De XP et un point d'aptitude, ça c'est pas mal. On va aller voir le coffre. Ouais, ce qu'il y a en jaune, c'est des trucs à viser. Des serpents. Une étêteuse. Il n'y a rien, on est d'accord. Allons voir ce qui se cache par ici. Oh. Alors ce qu'il faut savoir pourquoi... Enfin, ce qui est un petit peu logique dans le fait de retrouver des pièces sur tous les cadavres, c'est que dans la croyance grecque, pour payer le passeur, il fallait 2 drachmes, je crois, si je dis pas d'annerie. Enfin bon, c'est pour ça que lorsqu'on brûlait les corps ou qu'on les enterrait, on leur posait un drachme sur chaque œil, une pièce sur chaque œil. Il y a encore un coffre auquel je n'ai pas eu accès. Je me rappelle qu'il y avait le passage hein, tout à l'heure. Ok. Ah, ça c'est par là que je suis arrivé. Et je crois qu'il y avait un truc quelque part où j'avais vu un passage en dessous. Oui. En bas je suis parti à gauche alors que j'avais vu un truc à droite. Si je dis pas d'annerie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui se demandent comment je fais pour passer... Je garde appuyé sur C pour passer en dessous. Plaçon de mercenaire. Vous cacherez pas que ça me fout un peu les... J'aime pas ce genre d'ambiance tombeau. C'était d'ailleurs pour ça que j'ai jamais pu jouer à un Tomb Raider. Je suis un petit peu sensible, je vous avouerai pour ça.
Allez, partons d'ici. Donc on a exploré une tombe, c'est pas mal. Il y a encore des trucs à voler. Des drachmes. Bon, l'argent, il y en a. Oh, tout s'est rechargé. C'est cool. Enfin, tout, non, mais une partie était revenue. Bon, c'est sympa. Donc on a exploré pas mal de tombeaux. Du coup, j'avais dit, ouais, il reste maximum 5 minutes d'épisode. Donc je pense qu'on se fera le meurtre. On va aller voir ce qu'il nous demande déjà, lui. Ah, il y a un sanctuaire d'Athéna. Zeus et Phésos. Il y a des trucs à voler. C'est un comble. On est dans un temple et il n'y a rien à piquer. Comment voulez-vous que je me refasse une fortune, les gens? Toi. Ah, c'est celui que je dois assassiner. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça au prochain épisode. On va s'assassiner ou s'assommer, ou on va l'assassiner. Ce monsieur ainsi que l'autre dirigeant au prochain épisode. Sauvegarde. Alt F5. Bon, on va sauvegarder. On sait jamais, on n'est pas l'abri d'une bêtise. Allez, ciao les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me faire des commentaires si vous voyez que j'ai oublié quelque chose pour que je puisse revenir dessus, genre un coffre, un truc comme ça. Ou si vous avez compris cette histoire de campement brigand et compagnie, faites-le moi savoir, ça me ferait plaisir. Allez, ciao tout le monde, à très bientôt.